Texte écrit pendant le confinement. La balade des amis de là-bas. Mes très chers, un mot déclaration, car déjà 2 mois sans vous voir, sans partager vos verres, sans se coller trop nombreux sur un canapé parisien étroit. 3 anniversaires manqués, dont tes 30 ans, Annecy. Et pourtant, on aurait tant aimé te gâter de cadeaux remis en main propre, même pas lavés au gel hydroalcoolique. Faire des câlins à Bernie, admirer ta terrasse et Bagnolet de ta terrasse. Plonger nos mains grasses de chips dans des saladiers communs. Papoter en évoluant de chaises en coussins en debout. De bout d'écran en bout d'écran, au moins, on s'est fait signe qu'on était là. Là pourtant d'être distancié, car ça va faire 8. 8 semaines qu'on se parle de loin. Heureux au début parce qu'on en a profité, quelle aubaine pour échanger avec les absents habituels, ceux qui vivent dans des contrées lointaines, soudain proches comme tous les autres. Alors qu'on l'apprendrait rapidement, en fait c'était l'inverse. On était tous rendus aussi éloignés qu'on l'est habituellement des Canadiens ou Australiens. Australiens que j'ai pourtant été si heureuse de skyper car ça faisait longtemps. Temps difficile. Marathonien, car ce n'est pas fini, mes chers amis, les restrictions continuent. Ils ont dit pas plus de 10. 10. 10 dans la même pièce, chiffre que je n'arrive pas à digérer. Gérer l'après, voilà notre nouveau défi. On s'est trompé, on attendait le déconfinement. Mens pas, toi aussi t'es déçu, t'avais pas prévu que ça serait toujours pas fini. Ni printemps, ni été cette année. Oublions les apéros sur les quais, car avec des masques, impossible de boire, respirer ou bouffer. Fais pas le con, on se dit, on répète aux autres. On n'a pas fait tout ça pour annuler nos efforts en reprenant comme avant. Avant, qui est si loin, 56 jours bientôt. Tôt ou tard, on se reverra pour de vrai, notre nouveau mantra. On se serrera dans les bras, on dansera ensemble, on sentira la sueur des autres, leur haleine d'alcool, on prendra pour aller les retrouver des métros bondés qui puent, on respirera cette puanteur, on cachera nos nez derrière nos écharpes en pensant au masque qu'on portait il n'y a pas si longtemps. Et on sera presque nostalgique de ces 56 jours, 8 semaines et 2 mois. Moi, j'espère que je me souviendrai. Toutes ces heures sans vous en vrai, avec vous en écran, dématérialisé, quand j'ai toujours su que j'étais une nana bien trop matérialiste. Liste pour pallier à l'oubli, ce qui te manque aujourd'hui, tu le reliras un jour de métro. Trop envie de sortir, se bousculer à la boulangerie, flâner sur l'herbe à côté de chez moi avec un bouquin, avec Lolo, avec vous. Prendre un train pour sortir de Paris, planifier des vacances sans penser frontières ou risques, voir mes parents qui ne sont pas si vieux et ne pas craindre le pire et qu'ils viennent de moi. Faire des réunions de boulot dans une salle tous ensemble, je te jure, ça me manque aussi. Prendre mon vélo, mes jambes, ma liberté pour aller au théâtre, au ciné, chez vous. Vous, qui me manquez tant en vrai.